Mais la page noire, tu as surtout la différence entre l'anglais et le français. On n'a pas très bien ce que vous disiez sur la différence entre l'anglais et le français. Par exemple, pendant très longtemps, la littérature japonaise était traduite en anglais et après en français. Et ça faisait. Et tout d'un coup, on a traduit directement de japonais en français. Et ça changeait beaucoup de choses. Ça marche mieux ou... Ça marche mieux. Ouais. Excusez-moi. Non, ça vous a un petit peu plus appréciable. Ouais. Non, mais je pensais qu'il fallait, on le traduit en anglais d'après la traduction française, et non pas directement de l'albanais. Et ça marche mieux. Ça marche mieux, surtout en musique, Mathieu Conquet. Session tout de suite avec Emmanuel Tunis. Emmanuel Tunis, qui est aussi écrivain, traducteur et diplomate. Vous avez été en poste à Porto Alegre, à Edimbourg. Vous êtes maintenant directeur de l'école de Dunkerque.